Vous désirez, mademoiselle? Rien, je regarde. Vous voulez peut-être un renseignement? Non, non, merci, je regarde seulement vos poupées. Elles sont tellement belles. Vous trouvez? C'est fou ce que vous en avez. Ah, ici, j'ai pas le dixième de ce que je possède. Vous en avez encore d'autres? J'en ai plein ces placards, plein la cave, chez moi une pièce entière. J'ai à peu près 400 poupées. Oh, c'est incroyable, où est-ce que vous les trouvez? Un peu partout, chez des particuliers surtout. Puis je me déplace aussi à l'étranger, en Autriche, en Allemagne, en Amérique du Sud. Vous allez jusque là-bas? Ça m'arrive, oui. Le mois prochain, je vais au Japon faire une expertise. Et vous faites des échanges aussi, quelquefois? Pourquoi ça vous intéresse? Non, non, je vous demandais ça comme ça. Vous n'avez jamais eu de poupée? Si, j'en ai même une encore. Elle s'appelle Andrea. Et comment elle est, Andrea? Oh, elle a plus de cheveux, la pauvre, il lui manque une jambe. Si vous me l'amenez, je vous la rendrai aussi belle qu'avant. Ah non, c'est comme ça que je l'aime. Vous êtes au lycée? Non, cours Boileau. En terminale? Non, en seconde. J'ai 2 ans de retard parce que j'ai été malade. Il est déjà 6 heures? Oui. Faut que je rentre. Au revoir, monsieur. Si vous voulez revenir, mademoiselle, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous montrer les poupées. Je vous remercie.